peuple. Voici une autre page de notre série policière. Toujours rien, commissaire ? Non, il se passe rien. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ah tiens, on pourrait jouer aux médias. C'est quoi jouer aux médias ? On appelle une station de télé. Ouais. On divulgue une fausse information et on regarde combien il leur faut de temps pour la diffuser. Génial, j'allume la télé. Voici les infos sur la télé de France. Télé de France, bonjour. Bonjour mademoiselle, c'est le commissariat. On rapporte une alerte à la bombe à place de Bretier. En dernière heure, nous apprenons une alerte à la bombe à place de Bretier. Et il y a un mec qui se montre la bite à la station Châtelet. Un homme est en train de faire de l'exhibitionnisme à la station Châtelet. Et un fou dangereux vient d'entrer dans le bureau du président. Nous apprenons à l'instant que le président vient d'entrer dans son bureau. Bon, j'en ai marre de jouer à ça, tu peux éteindre. Ok. Bon, vu qu'on a rien à foutre, on va étudier les dossiers criminels. D'accord. On va trouver les noms dans ce foutoir et on va demander à Christine d'aller chercher Pas besoin de regarder dans ce foutoir, commissaire, on a qu'à regarder les noms dans l'ordinateur. Et comment on fait pour trouver les noms? C'est simple, regardez, on demande la liste et chaque fois que ça fait un bip, il y a un nom. C'est ça? Attendez, je... Ça, c'est un autre? Et putain de machine, merde, qu'est-ce que... Un troisième? Attendez, pas si vite, je vais donner ceux-là à Christine. Pourtant, je comprends rien. Oui, commissaire. Christine, sortez-moi les dossiers des criminels suivants. Disk error, file not found et start your computer again. Tout de suite, commissaire. Je comprends pas ce qui a pu se passer. Commissaire. J'appelle de l'avenue des Grises. Oui, madame. Il y a quelqu'un qui marche sur la rue avec une mitraillette. Enfin, c'est normal de marcher sur la rue. J'ai dit avec une mitraillette, vous m'avez pas laissé finir. Bon, c'est noté, madame. Et quand allez-vous venir me baisser? On envoie une équipe tout de suite, madame. Il se passe quelque chose? Ouais, passe-moi le microphone, je vais faire une intervention radio pour des voitures. Il se passe vraiment rien dans le quartier. Est-ce qu'on se fait chier? Si on rentrait prendre un café? Attention à toutes les voitures, nous venons d'entendre trois individus braquent une banque Faubourg Saint-Honoré, il fait 12 degrés, on écoute maintenant un homme avec mitraillette avenue des Grises, super délire. On y va? Ouais. Avec mitraillette avenue des Grises. Bon voilà, c'est annoncé. Dites, est-ce que vous avez trouvé des témoins pour l'affaire Gruger? Non, personne veut témoigner contre lui. Mais si on allait chercher quelqu'un en tôle? T'as déjà fait ça? Tu connais le comportement d'un homme en tôle? Je sais pas. Gérard, viens ici s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Montre-lui ton comportement. Oh merde, j'en ai marre. Bon, ça va, c'est ça. Pas parce que je suis en tôle que ça je va, dois ça va, mon comportement. Vas-y, tu peux disposer. Quel caractère. Oh, commissaire, notre microphone caché chez les trafiquants de drogue. Oh putain, t'as raison, mets le contact. Attendez. Si on pouvait savoir où ils cachent la drogue et l'argent, on aurait toutes les preuves contre eux. Voilà. Salut Rad. Salut, ça va? Ça va. Où tu l'as caché le microphone? Sur une chaise. Alors, j'ai caché la drogue, l'argent et toutes les preuves contre nous à... Bon, il s'est assis dessus, crétin. Non, attends, je crois pas. T'es sûr? Convaincu.